Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons salutations pour nous toutes. Nous sommes contents pour nous capables de gagner ensemble avec nous dans ce moment spécial ça, la bataille avec vous. Là, nous avons Ruyel Poussin l'ouverture dans Delva 33. Nous avons un important tronçon route qui trouve entre rue Poussin l'ouverture qui sorti dans Saint-Louis de Gonzague et qui va déboucher. Non, pour ce premier, là nous sommes mairie Delma. En action, pour gagner ensemble avec nous, l'ingénieur Pierre-Marie Lafont, bien aimé, c'est lui-même qui est responsable chez nous en dans mairie Delma. Et c'est lui-même qui sous ensemble de chantiers, nous voyons, et à travers toute commune. Et je dis à nous toujours remarquer qu'il y a plus d'ingénieur avec, c'est un peu l'école qui a envoyé les soldats de l'école d'ingénierie. Qui a envoyé mon groupe la formation, une pestale, et je dis à une période qui a bouclé, une période de stage. Nous avons un ingénieur et bien-aimé, il est avec nous, il a placé quelques mots. Et pour ce faire stage avec une quantité d'ingénieurs, je dis à nous allons mettre fin. Et si ça t'a dit pour vous, il a salué l'ingénieur là. Bon, pour ça, j'ai nous, nous avons dit tout. Et ça fait longtemps que nous ne parlons pas ensemble avec Evernaud. Et tant que j'en fais du là, nous avons perdu notre tronçon qui est lié au Saint-Premier, ensemble avec Delma 33, que nous tous connaissons. Notre tronçon qui est très fréquenté, surtout les gains de l'office dans la zone 33. Et vous parlez des faits, en du programme, nous avons un stagiaire qui est ensemble avec nous. Donc c'est un programme que nous avons qui. Fait continuellement ensemble avec Mélia, toujours un stage ensemble avec nous, nous avons une promotion là qui fait que le boucle là, donc je pense que dans quelques minutes encore, on est capable de faire ensemble avec nous, quelques stagiaires qui ont passé quelques mots. Donc, on a parlé de tronçon, ça, un tronçon qui est extrêmement important, mais qui va en plus de difficulté, surtout ensemble avec l'eau qui est dans la zone là, parce que nous avons une source dans la zone là, qui sont dans des bouts de source, ou de la ouest, on doit faire la danse. Donc actuellement là, c'est lui-même qui était nous pour nous faire finir ensemble avec son temps. Vous pouvez remarquer là, nous avons un stage ensemble avec nous parce que nous avons l'autre chantier qui paraît beaucoup plus important pour nous, qui est exigé que nous gagnons. Il y a ensemble de l'autre chantier que nous gagnons. Et alors pour l'instant, nous gagnons environ 4 sites, mais qui gagnent, qui regroupent plus de 9 chantiers là, et pour l'instant. Donc nous gagnons un chantier dans Delma 51, 53 et 55. Et nous avons Pierre-Latour, Delma 43, qui va travailler sur lui. Et nous avons l'ambassade qui nous fait attaquer là, qui nous va faire connexion ensemble avec Delma Boulanger. Et encore, nous avons Sipo, Delma 33, qui nous fait jonction entre Jean-Louis Gendi ensemble avec Louis Jean-Marie. Et ensuite, nous avons Delma 31, Delma Bois, qui nous fait jonction ça. Et nous sommes des chantiers qui travaillent beaucoup pour l'instant à cause de problèmes de sécurité. Ça vous démarre là. Mais pendant qu'on parle de problèmes de sécurité, qui genre, vous pensez que le magistrat Wilson jeudi, vous voulez camper malgré la situation du pays, il y a tout chantier ça au sortir de là en marche. Bon, et premièrement, c'est volonté pour le gain. Quelqu'un déjà, deuxièmement, c'est leadership. Et puis troisièmement, c'est utiliser le peu qu'il soit de l'entrée des populations. Hein. À un service que la population a besoin. Malgré lui, comme vous voyez, il va comme avec lui, malgré lui, mais malgré ça, avec volonté de quelqu'un, plus accompagnement technique de quelqu'un, d'abord au résultat, français. Et nous connaissons, ce n'est pas de problème. Nous nous travaillons, nous avons tout pour lui, les fondateurs, nous avons plus loin que ce qui est prévu. Ok. Et là, on se parle de. Et partenariat qui est avec les jeunes ingénieurs, la aidé, la facilité, pour être capable de faire des stages. Côté idée, ça sortit, idée de partenariat, ça, et de faire des colliers avec les vidéos. Et bon, et magistrat, on a aussi une réunion de guerre, ça va avec l'administration. Nous avons discuté sur le problème qui est, on va parler d'expérience, de travail, et on a fait sortir. Soit dans une école d'écrit, soit dans une université quelconque. Et créer ensemble pour répondre pour avancer. Donc, Maïssa, elle tenait compte de ça. Et puis, lui-même, la commencé par l'expérience.
pas dans la comptabilité, pas dans la gestion, pas dans l'administration, tout comme je dis dans le domaine technique. Donc, il existe tout à fait aider, je n'ai pas commencé à expérimenter à prendre là, parce que pour le travail, je demande aux expériences pour le monde, pour le travail. Puisque Marie-Pierre a un monde qui vient non seulement carrière, qui vient compétence, mais qui vient expérience et ça qui est l'expérience. Qui commence pour les vidéos depuis à la base. Et vous bien faire on doit voir ça avec vous là. Donc, vous bien accaparer un paquet de bagages qui vont être besoin de travailler dans n'importe quoi. Et l'autre, ça va nous arriver dans le bout avec l'équipe ça qui a fait stage. Est-ce que nous allons mettre 20 pour soi, c'est pour l'autre groupe et étudier 4 terrains pour vous? Oui, nous avons gagné plus de 3 à l'école qui descendent en avant. Nous dans Delma 53, dans quatre travail et chantier qui en marche un peu partout dans la commune Delma. Mais nous connaissons aujourd'hui un très spécial. Nous avons rencontré avec quelques stagiaires qui vivent dans le fin cycle. Nous avec l'ingénieur Desvinas. Ingénieur Desvinas, faut-il parler avec le public qui est souillé? Comment l'expérience a été pendant tant de stages avec le mairie Delma? Et bonsoir et internautes. Oui, j'ai un commentateur lundi. Moi, c'est ingénieur des finances. Nous sommes étudiants du Ben Lecomte. Donc, nous avons un cadre et stage que le Delma a fait nous joindre. Et nous avons merci et Maïssa nous joindre jeudi pour le beau travail qu'il a fait dans la commune. Fait est belle pour les habitants qui sont dans la communauté. Donc, période stage, ça, c'est important pour chaque grain étudiant. Chaque grain ingénieur qui a une opportunité pour le travail dans le cadre de travail que le Delma a réalisé, tel que qu'on sont dans la réhabilitation de route Delma. Comment expérience est qui ont ouais, en termes d'expérience acquise, en termes de compétences acquises, et qui ont satisfaction? Oui, non, normalement, le travail continue en dans l'université et puis il a continué encore dans le souterrain. Donc, travail souterrain, lui permet nous bien maîtriser ça que nous faisons dans l'école là. Donc, c'est notre cas de ça et mairie Delma permet nous-mêmes de faciliter quelques jeunes, jeunes expérience sur chantier avec un pile d'apprentissage que nous-mêmes, les nous filtres souterrains, que nous avons bien et opportunité pour nous travailler. Soit en dans mairie Delma ou bien l'autre côté qui a besoin nous en tant que professionnel dans le métier jeune civil. Ok, maintenant, message là, c'est qui ça lié? Message pour mairie Delma? Message pour l'autre étudiant qui n'a pas de chance qui pouvait nous faire même expérience. Eh bon, message c'est continuer le travail, continuer à chercher parce que plein d'opportunités qui sont dans notre cadre de métier nous y a. Il ne doit pas mairie Delma, mais mairie Delma est toujours bien ouvert pour les étudiants qui viennent. Et donc, dès qu'il y a une opportunité, c'est un plaisir pour mairie Delma. Donc, nous-mêmes, en tant qu'étudiants qui nous donnent le compte, donc c'est un choix qui nous fait de nous. Donc, pendant que nous-mêmes nous avons proposé tête nous pour nous aider, donc nous bien contents de jouer une chance et pour nous faire une contribution par nous dans le cadre et travaux qu'on a réalisés partout dans Delma. Merci, ingénieur Despina, c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous avec nous comme stagiaire. Bon, moi, je suis content aussi, moi, toujours, et pas seulement en cadre stagiaire, en cadre professionnel qui travaille dans Delma. Merci à vous. On a tourné sur un ensemble de sites, sur un ensemble de chantiers qui gagnent en dans la commune d'Elma. Surtout qu'on a rencontré avec ensemble stagiaires qui viennent en fin de cycle de formation pratique ou expérience tout à fait avec mairie d'Elma. Et qu'on a là, nous avec ingénieur Sidney. Ingénieur Sidney, bonjour. Alors, bonjour. Internet, bonjour tout staff communication.
Alors non pas moi c'est ingénieur Sydney et moi content matin là pour nous capable de parler ça ensemble avec la communauté. Ou vinn là pendant un nombre de temps, comment expérience là est, comment m'a dit apprentissage à dire et avec le Delma. Et bon au commencement et m'a dit merci ensemble avec conseil municipal là, spécialement avec le maire principal là qui c'est magistrat Wilson Jody, qui a fait un travail colossal, un continu travail dans la commune de Delma et qui fait bon, qui permet moi-même actuellement capable de participer et même bénéficier de l'expérience là qui c'est ingénieur stagiaire dans la mairie Delma. OK, ou tu es un simple étudiant, on fait toute théorie. On y a là au fin pas son nombre de temps dans fait pratique et qui sont sentir ou apprendre qui sont ouais en termes de connaissances que ou accumuler. Bon. Expérience en pile parce que et nous font paquet d'expérience dans construction routière et spécialement dans terrassement caniveau punette et l'autre ouvrage de drainage et dans l'eau canal etc. Alors c'est ton expérience qui m'a dit qui t'est enrichi ça en pile pour nous-mêmes et parce que nous connaissons que théorie c'est une mais pratique là c'est l'autre nous apprenons en pile par rapport avec contraintes que nous capables de joindre qui pas dépendent de nous contraintes sociales contraintes économiques toutes contraintes honnêtes qui viennent faire nous capables beaucoup plus adapter nous à l'avenir par rapport à des situations qui peut-être qu'à venir ça nous relève des imprévus donc expérience était vraiment 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 beaucoup pour nous et nous remercier staff mairie Delma pour expérience là et spécialement le maire Wilson Jody là au cycle à boucler ou doit rentrer la caillou et nous a dit tête est prêt pour aller et m'a dit et prendre chemin travail normalement au senti expérience capable aider ou aller travailler normalement bon oui. Parce que là déjà tout faut tout dire les considérer comme un travail tout parce que expérience mettez nous tellement dans le bain côté que nous quasiment qu'a dit nous t'es responsable dans exécution et dans supervision qui vient de faire que nous bon expérience qui plus ou moins ferme dans affaires construction routière et nous prêts sur marché travail là pour nous ca côté expérience là à exécution dans l'autre institution. Merci ingénieur Sydney, son plaisir pour nous de gagner. Eh ben d'accord, merci avec vous. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer avec la séance de questions de Manoyo. Nous allons avec l'ingénieur Marc Evans Joseph, qui est un étudiant stagiaire. Il a dit qu'il a un stage avec Mairie Delma. Ingénieur Joseph, comment vous êtes? Bon, en forme, grâce à Dieu. Vous avez fait une expérience là, ensemble avec Mairie Delma. Comment vous êtes capable de partager cette expérience ensemble avec vous? Bon. Pour moi-même, c'est une très bonne expérience parce que nous faisons 5 ans d'études, mais 5 ans d'études, c'est 5 ans d'études sur papier. Mais je suis capable de dire, avec le stage, Mairie Delma fait nos jeunes là, je suis capable de dire, tout ça nous faisons sur papier, nous venons faire dans la réalité. Dire, tout ça nous faisons, nous sommes concrétisés là. Puis je comprends, un jeune qui va gagner un privilège ça, pour le stage, un stage, pour le stage Mairie Delma. Bon, avant tout, je salue Mairie Delma parce que il a fait un gros travail dans la commune, principalement à Magistrat Wilson Jody. C'est un privilège pour moi en tant que jeune. Moi, je viens de faire une étude. Moi, je viens de faire expérience moi là. C'est un gros privilège lié. Et pour les jeunes étudiants qui ont profil dans un domaine, surtout dans la jeune civile, c'est très bon pour faire un stage comme ça. Et déjà, moi, je passe à Mairie Delma, je vais continuer à faire. Et moi-même, c'est un bénéfice, je suis capable de dire merci à Mairie Delma. Yes. Vous avez accumulé en termes de connaissances qui ont évalué? Bon, moi, je dis en termes d'évaluation de connaissances, si je prends une échelle de 10, on va dire les 10. Parce que moi, j'apprends tout ça, je apprends déjà. Et ça m'a appris là, à servir à l'avenir. Vous êtes prêt pour le prochain travail là? Oui, merci. Eh bien, c'est un plaisir, ingénieur Marc Evans. Et nous sommes contents pour nous gagner dans Mairie Delma, dans le cadre du travail, stage Mairie Delma pour offrir à ensemble de jeunes ingénieurs. D'accord, merci, c'est un plaisir.
ingénieur des hommes Auguste, c'est les mêmes cap juste. Juste. Des hommes juste, c'est les mêmes cap bien pour faire un petit partage d'expérience avec nous sur ensemble d'expérience, on a des sur ensemble d'activités, construction, infrastructure, route, nous connaissons qui j'envie dans mairie d'Elma, c'est chaque jour c'est chantier, chaque jour c'est travail. Mais un jeune bien un privilège pour le venir faire une expérience avec mairie d'Elma, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Et ingénieur juste, bonjour. Bonjour et moi salue mairie d'Elma. Je salue spécialement Marie-Star Wilson Jeudi, qui a fait un grand travail dans la communauté, spécialement dans la commune d'Elma. Pendant que j'espère ça avec nous, comment ça te dit? Bon, d'abord, je présente moi, et moi, c'est des hommes justes, et nous étudions dans le génie civil, dans l'Université Ruben Le Comte. Et c'est vraiment un grand plaisir pour nous participer avec Mairie d'Elma dans le stage. Et l'expérience là, c'est une très grande expérience. Et côté que nous, souterrains, nous avons mis ça nous a appris à l'école. Et accompagné ensemble avec mentor nous, ingénieur en chef, ingénieur Lafon, et qui est toujours là, qui pour encadrer nous, qui pour ben nous technique. Et nous vraiment apprécié ce travail-là et la population en tout, qui applaudit nous. Qui sont pensés que l'expérience ça capable de porter de plus et en termes de formation et sous génie civil pour les étudiants? Ok. Bon, l'une des plus gros bagages que l'expérience là capable de nous, c'est permettre nous avancer sur le marché du travail. Et quelle que soit compagnie, quelle que soit firme, nous besoin d'expertise. Nous déjà gagné habilité à 70 à 80 et même 90%. Message qu'on gagne pour magistrat aujourd'hui, jeudi, pour l'autre étudiant qui gagne, pour une meilleure expérience à avancer, salut. Ok. Nous encourager chaque étudiant et qui t'a aimé participer dans ce stage ça. C'est plus ta marché pressé parce que depuis que vous venez et mairie il pas refusé et expérience yo de qualité et un peu l'appréciation et nous remercions magistrat Nabil Kembela et Folio la preuve qui devant il va travailler pour nous. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans la fin. Si virer rond, nous avons fait sur ensemble de chantiers. Côté que nous avons rencontré quelques ingénieurs stagiaires sur le chantier. Tout le monde qui a eu la possibilité de visiter la zone Sayo, le Wanda, le magistrat ou zone jeudi. Et volonté, c'est permettre que chaque monde, tout le monde, quel que soit le coin côté, soit capable de vivre et tant que le monde. Tant que monde, ça fait route tu as fait dans tout point, même quand c'est pas côté machine à couille monter pour tout le monde, ouais, mais ça vous je dis pas jamais suspendre le travail. Et c'est comme ça tout, va vous remarquer en pile satisfaction au niveau des jeunes ingénieurs qui passaient un nombre de temps, il y a plein de formation et en dans des souterrains, en chantier, pas jamais camper et ça c'est même satisfaction pour mairie d'Elma, mais ça vous je dis pour ingénieur la fond. Nous contents parce que au même tout, vous toujours été là pour suivre, pour garder l'évolution. Situation difficile, imaginez ça, je dis, pas camper. La continuer travail pour voter satisfaction, pour nous tous. Mais un bagage qu'on ne peut pas jamais oublier, c'est toujours payer un impôt locatif pour travailler, pour service, pour tourner une journée. Merci un peu. C'était Bureau Communication, mais Mairie d'Elma.